C'est un trésor qui se trouve à plusieurs centimètres de profondeur sous la terre. Chaque année, à la même période, Michel part à la recherche de truffes, un or noir qu'il cave grâce à son chien Nino, une découverte qui fait toujours autant frétiller les papilles. Ça sent la truffe, hein. Ça sent une bonne odeur d'or. Heureusement que ça sent la truffe. Là, le sent bon, hein. Le sent bien, le commence à bien sentir. Hein. Et Nino. Un produit de luxe dont le calibre varie et pour lequel il faut s'armer de patience. Je la trouve pas. Et d'une année à l'autre, la récolte dépend de la météo, des champignons particulièrement sensibles aux variations de température. L'odeur, on la reconnaît, après elle a à sa surface, on voit seulement, vous voyez, on a des selles là, les. Oui, elle est gelée, vous voyez, on le voit, là, parce qu'il a gelé. Vous voyez que c'est uniforme, ce qu'on voit, c'est tout gris. Il y a sûrement des endroits où il y a des bonnes récoltes, des endroits où elles sont moins bonnes, et ça dépend beaucoup du temps aussi, et la pluie, la truffe est un champignon qui a besoin d'eau, pas beaucoup d'eau, mais il lui en faut un peu quand même. Un champignon pour lequel les prix restent élevés, mais cette année encore, la truffe devrait bel et bien être de retour sur les tables pour les fêtes de fin d'année. Pour Michel, en tout cas, récolte réussie, avec aujourd'hui pas moins d'un kilo d'or noir.